Moi, c'est Morgane Lostis. Je suis chanteuse, danseuse, comédienne, chorégraphe depuis peu. Voilà, j'ai commencé avec Compote de Prod sur Alice, la comédie musicale. Je suis le rôle-titre d'Alice. Et j'ai aussi joué dans Huckleberry Finn, le rôle-titre, au Théâtre de la Huchette. Alors moi, je suis gymnaste. J'ai été gymnaste entre mes 7 et 12 ans. Donc j'ai commencé par du sport, surtout. Et j'ai découvert la danse à l'âge de 12 ans, donc en conservatoire chez moi. Et je chantais un petit peu aussi au conservatoire et surtout à l'école, donc au collège, je faisais un atelier. Et en troisième, je me suis demandé ce qui réunissait mes passions puisque je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et ma mère m'a poussée à faire un stage de comédie musicale. Et le professeur de la semaine de ce stage, c'était Hervé Lewandowski qui a joué le chapelier dans Alice, la comédie musicale. Et à la fin de cette semaine-là, il m'a parlé des castings parce qu'il cherchait une nouvelle comédienne. J'ai passé le casting le jour de ma rentrée scolaire en seconde. Donc c'était un jour très stressant pour moi. Et voilà, premier casting, première expérience, ça s'est super bien passé. Et au bout d'un mois, la prod m'a appelée pour me dire que j'étais prise. Je suis un peu née professionnellement avec Alice. C'était sur un DVD, une captation du spectacle Notre-Dame de Paris. Et je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans. C'est un spectacle qui m'a marqué dans le sens où ces chansons étaient dans mon MP3 quand j'étais ado, jeune ado, et j'écoutais les chansons en boucle. J'adorerais voir un Star Wars sur scène. Je trouverais ça magique en comédie musicale. Non, bon, alors ça peut être très difficile par contre parce que il y a quand même une identité musicale de Star Wars qui est très très forte. Et transformer ça en comédie musicale, ça peut vite être de l'ordre de la parodie, mais ça peut être intéressant. Un musical parodique, ça existe. Spamalot, par exemple, c'était magique. Et ça peut marcher. Je suis plutôt Festival d'Avignon par expérience, parce que je suis jamais allée à Broadway et que j'ai une expérience dans ma mémoire qui est magique du festival, pour l'avoir fait avec Alice, avec mon pote. On était tous soudés, il y avait une énergie qui nous portait et moi, je me sentais invincible, en fait. J'ai jamais considéré ça comme ringard. Après, je sais que ça peut être raté. C'est un métier que de créer une comédie musicale. Faut prendre ça au sérieux, en fait. Parce que si on se dit que, tiens, bah, je vais faire ça, bah, ça devient très vite amateur. Et l'amateurisme qui se prend au sérieux, ça peut vite être ringard, à mes yeux. En fait, c'est pas forcément la question pour moi. C'est surtout que... comment je me défais de ces appréhensions-là? Parce que le moment où tu commences vraiment à kiffer ton métier, à kiffer faire à kiffer interpréter un personnage, c'est quand tu es le personnage et que son seul moyen d'expression, c'est le chant, c'est la danse et c'est le texte. Et tu oublies le challenge. Quand tu es sur scène, tu oublies le travail. Tu as bossé auparavant et puis après, bah, c'est bon, tu lâches, quoi. En fait, il y en a un qui me vient là, qui me fait beaucoup rire, mais c'est drôle, je n'y ai même pas assisté. C'est au début du spectacle, le spectacle d'Alice commence par le monologue du chat, et Anthony Fabien, un jour, est tombé de scène pendant son monologue. En fait, le proscénium, donc la partie de la scène qui est devant le rideau, c'est son espace de jeu pendant ce monologue. Il est sorti du rideau de façon... totalement sûr de lui, et en fait il y avait, je sais pas, 2 cm de proscénium, je sais pas, et il est tombé. Et j'ai juste entendu le boum et les bruits des enfants, les rires des enfants. On s'est regardé avec Lewis et on s'est dit, mais c'est incroyable. Mais quel boulet. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je suis moi-même tombée de scène dans Huckleberry Finn. Anthony, je te fais un bisou. Si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, mais je me moque encore de toi. Mais, il y a la... voilà, je compatis parce que j'ai vécu la même chose.